Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sous Nouvelle Yo. Et c'est un plaisir pour me toujours informer auditoire sur Fiat TV 83 yo, sur tout ce qui a passé dans le pays. Dossier corruption, l'ONA, ILCC, jodi a passé code dans couillon d'Almoun, kap baigné dans la corruption, sous fraude ak façon yo déchapier caisse l'État. Campé longé douette sous ancien sénateur Youri, chef Réginal Boulos ak Chesnel Pierre comme si tirait côté ILCC condamné de fin pour outrage ak administration l'État. Scandale sous toute forme, l'on a perdu un pile cob, ILCC constaté décide de suivre tout le monde qui gagne au trempé dans malversation ça et qui Youri ak Boulos là côté yo quoi un pile l'argent passé sans aucun rapport pas vini. Si nous t'a suivre qui ça ILCC écrit dans dernier rapport yo publié et puis remettre by la justice. Plus fois on suivre yon bout sous détail qui accusé sénateur qui prend l'argent l'état pour payer dette personnelle à Réginal Boulos qui n'a problème côté n'a pas lié là. Au lieu, yo ta réglé sa cobla gen poul faire. JPPC à l'antenne sous tout détail corruption qu'a passé en dans l'ONA ak administration l'État. Dossier ONAMART, ONAPHARMA. C'est un dossier qui lie à la construction d'un réseau de supermarchés et de pharmacies. Il est basé sur un prêt hypothécaire avec un taux référentiel parce que l'objectif final ONA, c'est pour permettre à employés pour l'acheter médicaments et produits alimentaires à un prix vraiment réduit. Sous base ça, Walter, il y a 770 millions de gourdes que on a débloqué et comme ça, mes clients les dispatchent. En face à là, je salue parce que il y a beaucoup déjà. Mon compte pour mon pays, ça y est. Le fait qu'on parle là, si je suis lâché dans ma maquette là, mettre ma maquette là, je dois regarder mal. On ne peut pas faire ça. Parce que vous ne pouvez pas parler de ça. Mais oubliez, c'est une liste qui pas connaît. Donc, tout dossier, si sur l'autre côté que parle, si Valérie parle, il n'y a pas de problème, non. Mais comme ça, face à mieux, vous comprenez, vous êtes capable de fâcher. Mais désolé, ce n'est pas 10 maps, 10 maps, 10 maps, 10 maps, 10 maps, 10 maps. Dans 770 millions, et puis, si c'est son bar, au contraire, je vais tout profiter d'inviter vous pour vous parler de ça, si vous avez un avocat pour parler de ça, parce que vous avez un droit pour défendre la tête. Vous avez 220 millions, vous avez extra market en face là. Propriété à M. Lé Albert Christian Claude Jean-Louis. Gain 70 millions de bail à supermarché Gona Yvla, qui est comme propriétaire Madame Carmen Immacula Cantave, Maman Youri La Tortue, qui est ancien sénateur et chef parti politique. Ah, ah. Troisième cobla, c'est 480 millions de bail à Delimat, qui est groupe régional Boulos. Pendant dossier a avancé, maman sénateur Youri La Tortue, dossier m'a appelé à la dossier ULCC a m'a appelé. Maman sénateur Youri La Tortue, qui c'est madame Cantave, lui désisté. Lui dit il parle de encore parce qu'il n'a pas assez de garantie. Et enquête là, vous permettre que constater que le programme ça a. Il était conçu par M. Réginal Boulos. Attention, conception Réginal Boulos. Cependant, attention, cependant, je crois que dans ce dossier, l'ULCC péché. De les conversations que j'ai eues avec M. Réginal Boulos, et c'est à Boulos de le dire, ce n'est pas moi qui pouvais citer non, la conception du projet t'es faite par un homme d'affaires, un homme du secteur privé et actuellement qui a un parti politique, un mouvement politique. Je ne citerai pas son nom parce que l'original n'a pas la même nom. Ce n'est pas un message, il était bon pour me dire. Donc, ça que je n'ai pas la même d'où, parce qu'en fait, dans le dossier, ça, moi, j'ai besoin que l'original vienne réagir. Et l'original, dis-moi, l'IGM, nous avons réagi en ce sens, nous avons parlé avec M. Madistin, qui a une émission spéciale que la vienne faire avec sous l'ensemble des dossiers présentés par l'ONA, l'ULCC, etc., concernant les clients qui c'est Réginal Boulos. Et quand je me dis, je te dis, il concevoir le dossier.
et c'est lui qui t'a présenté dossier à bah ancien directeur ONA qui c'est monsieur Rénal Benjamin, mais Benjamin t'a rejeté programme ça. Et deux semaines après l'installation de M. Chesnel-Pierre, de triste mémoire, programme ça, Chesnel a accepté. Après rapport produit par l'ULCC, selon l'ULCC, les critères d'éligibilité n'ont pas été respectés. Ça veut dire institution ça n'a pas de droit de prêter l'argent ça. Mais ça, il s'est dit. Il dit, premièrement, dans le cadre de ça, M. Jean Lide Excel Market, il était de bail comme frais de dossier 5 millions 200 gouttes. Monsieur versait seulement 660 000 gouttes. Ma reprendre dossier ULCC. Deuxièmement, pour Delima, il était de bail 11 536 000 gouttes comme frais, il bail 1 goutte. Selon ULCC. Pour faire la tortue, son dossier qui est inexistant, l'ULCC pas joint un rien qui a un rapport avec ferme la tortue, seulement une lettre que joint, que on a voulu bali. Une lettre seulement. Vous comprenez ça, puisque pas ferme non, qui était au départ dans la négociation, c'était. Et dossier maman de Napito, donc Femna, c'est au cours de route, après maman fin désister, monsieur la tortue prend. Mais il continue tout pour dire toujours, Femna te doit débourser comme frère 1 500 000 gouttes, seulement, non, et Femna pas débourser rien. Non seulement dossier de frais pour te débourser, l'on a perdu 7 863 000 gouttes. Maintenant, l'ULCC fait constat et décide pour suivre trace l'agence. Ça le constate, pas gain aucun employé ONA qui bénéficiait de programme ça. Côté pour acheter médicaments moins chers, les opérateurs dans la maquette là pour acheter et puis pour avoir un prix préférentiel, pas ça. ULCC dit ça. Deuxièmement, M. Albert Christian Claude Jean-Louis, qui est propriétaire de maquette là, lui recevoir 32% de fonds, soit un montant de 70 millions de gouttes. Comme ça, d'après ULCC, il va investir dans un M. payer dette personnelle li avec. Elle. 70 millions pour ferme Léogane. ULCC dit que 15% que le sénateur a utilisé pour le payer des clés. Et le reste là, il mettait sous compte AAA. Comme contrat selon ULCC, son contrat dénaturé, et ULCC conclut son cas de détournement de biens publics pour ULCC. L'argent, ça a décaissé à des fins de détournement. Et on partit dans le cobla, t'es décaissé pour payer dette personnelle négio. ULCC condamné chez Saint-Pierre, moi, d'abus de fonction. L'ULCC condamne Yuri la tortue d'influence, de trafic d'influence. Il dit également que le dénoté dans le dossier a, dans l'enquête que l'a mené, relation qui était gagnée entre Yuri et Chesnel, qui était dans le même parti politique. Pour Reginald Boulos, je ne comprends pas trop ce que ULCC dit à infraction assimilée. Et ça a dit pour Reginald Boulos. Donc, ULCC m'a demandé pour mettre l'action publique en mouvement contre M. Sarr. Donc, on a Caribex. Dans le dossier ça, on a l'acheté un ensemble de véhicules sans appel d'offres dans Caribex. Quoi Caribex, ça et Mazda. Ouais.
Le dossier, c'est qu'en fait, Caribex t'a doué l'ONA 22 millions de gourdes. Au lieu que Caribex remette l'ONA 22 millions, il a fait ONA acheter 16 machines pour être capable d'acquitter de dette là. Et ça a fait sans appel d'offres. Et dans le dossier ça, ULCC mandé à juge pour prendre mesure contre le directeur général ONA et accusé de pratiques commerciales interdites et complicité de passation illégale de marché public. Dossier 2. Le dossier de Port-de-Paix. Son dossier qui est lié au fonds et les pétro-caribéens. Il s'agit de 5 millions de dollars américains. Sous gouvernement Matéli Lamotte, il y a un vaste programme que le gouvernement mettait sous pied pour faciliter pouvoir que Lamotte atterri. Vous avez dit ça pour Lamotte pour le gouvernement qui a atterri. Dans le programme, ça, il y a un dossier le plan spécial de Port-de-Paix. Côté gouvernement, tu as pris le travail sous réhabilitation du parc Capra-la-Mort. 2. Construction de la route Myriam 1 et 2 jusqu'au carrefour Gris-Gris. 3. Construction de complexe multisport à Mont-Caillou. 4. Réhabilitation des canaux et bétonnage de la Tendrie. 5. Réaménagement de deux places publiques. Moun qui était en charge dossier ça, selon rapport ULCCA, c'est secrétaire général primature à l'époque là, M. Relé Lucien Franqueur. Dans le dossier ça, ULCC constaté que M. Ali Adam, qui est responsable à l'époque de UCLPB, il était versé 60% aux contractants et comme il était de bail à moun qui pourrait faire travail ça, c'était 30% selon ça la loi dit. ULCC conclut que Lucien Franqueur a failli à mission et ULCC mandé à ce que vous mettez l'action publique en mouvement contre M. Adam et un certain Grégory Saliba pour détournement de fonds publics. Et Ari Adam lui-même, c'est pour abus de fonction et passation illégale de marché. Lucien Franqueur et Amio François comme auteur et co-auteur de trafic d'influence. Grégory Desravines comme instigateur de trafic d'influence puni par la loi du 12 mars 2011 portant prévention et répression de la corruption.